Et voilà, on a quitté la ferme Videstive, on va maintenant à Lourdes. Et ensuite... C'est parti, mon gaillard! Oh. Bon là, on est à 20 km de Lourdes environ. Sauf qu'on fait du stop sur une route encore non fréquentée, comme d'habitude. Donc on va attendre. Il y a déjà environ une trentaine de voitures qui sont passées sans nous prendre. Ça fait 15 minutes qu'on est là, je pense. Et... voilà. On attend la bonne voiture. Bon voilà, donc on s'est arrêté à Lourdes pour faire une petite étape, on est resté une nuit là-bas. Donc on a visité un peu le sanctuaire et les édifices religieux, c'est vrai que c'est tout ce qu'il y a à voir en fait, c'est pas... Non, il n'y a rien d'autre à voir. C'est pas terrible en fait Lourdes, à part... bon, nous on y est allé pour l'architecture, d'autres ils vont pour la religion. Enfin voilà. Et, un peu Disneyland de la religion là-bas. Ouais, c'est abusé. C'est Christianisme Land. Christianisme Land, ouais. Bah, c'est abusé en fait, les
marchand du temple qu'il y a là-bas, enfin toutes les boutiques, comment, c'est quoi le mot déjà? D'objets de piété. Ouais, toutes les boutiques d'objets de piété. En fait, ils te vendent des petites bouteilles avec une Sainte Vierge dessinée dessus, et puis ça te coûte je sais pas combien, et puis toi tu vas la remplir avec de l'eau bénite ou je sais pas quoi. Ouais, il y a que ça, il y a une énorme rue avec que des magasins comme ça qui vendent des Vierges Marie d'à peu près toutes les tailles, des cierges, des chapelets, des bidons de toutes les formes, de toutes les tailles pour pouvoir les remplir au robinet du sanctuaire. C'est un truc de fou quoi. On a vraiment l'impression d'être à Disneyland version christianisme en fait, version catholicisme. Ouais, c'est ça. C'est un truc de malade. Après c'est super joli les édifices religieux là-bas, donc ouais, le c'est sanctuaire, franchement c'est très impressionnant. C'est vraiment pas mal. Mais sinon à part ça, il y a vraiment rien à voir dans ouais, la ville, non, c'est y vraiment y a vieillot. Énormément d'hôtels, c'est vieillot, et puis on voit que le monde est de moins en moins religieux parce qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui sont totalement abandonnés. Ouais, en fait, ouais. Là il y avait plein d'hôtels fermés qui avaient l'air fermés depuis un bout de temps. Enfin, ils étaient tout vieux, tout un peu délabrés comme ça, trop bizarre. Et puis tous les hôtels sont vieux en fait. Il n'y a pas de nouveaux hôtels, je trouve, il n'y avait que des vieux hôtels un peu années 70 comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc voilà, quand même, on aura vu une petite étape à l'eau. Voilà, qui pour ma part était un peu décevante, c'était un peu presque glauque en fait, j'ai trouvé, je crois. Ouais. Ouais, surtout les petits magasins. Enfin, ouais. Enfin, moi, quand je passais devant, je traçais quoi, parce que j'ai un espèce de. Je sais pas, je trouvais ça un peu flippant limite. Ouais.